Bonjour Codichou. Bonjour maman. Comment ça va aujourd'hui? Très super bien. ça donne la patate. Alors Cody, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui vous allez découvrir ma nouvelle passion, la trottinette freestyle. Et j'ai eu la chance d'avoir cette trottinette magnifique. Cette trottinette magnifique, oui. Alors attends, je vais la regarder d'un petit peu plus près, ta trottinette magnifique. Alors, là on est dans le salon. Là on est dans le salon, bah oui, parce que pour présenter. Donc Cody, il a eu la chance de recevoir cette super trottinette, la Ethic Erawan, si je le prononce bien. Et cette trottinette, alors attends, elle a été quoi? Parce que j'ai l'impression qu'elle est super à ta taille là. Elle a été Customisé en guidon à ma taille. Regardez, il m'arrive ici. Ouais. Et du coup, en fait, c'est. Elle était customisée vraiment pour toi. Ouais, et puis même le deck, tu verrais comment il est léger. Alors, oui, donc, le deck, en fait, c'est où on pose les pieds, là, voilà. Parce que Cody, il commence à parler avec son langage de trottinette freestyle, mais avant, on connaissait pas. Donc, du coup. Cette trottinette, c'est la trottinette Ethic Erawan, la plus légère du marché avec moins de 3 kilos. C'est pour ça qu'elle est super adaptée à Cody. 2 kg 200. Elle est... Non, enfin, ouais, 2 kg 9 je crois. Quand elle est customisée, hein, pas quand elle est normale. Alors normalement elle est vendue avec un guidon de 620 mm ouais. Pour être adaptée à des personnes de 1m30 à 1m60. Ouais. Mais il est possible de changer le guidon pour du coup un enfant plus petit, ou alors de la customiser comme là elle a été faite pour Cody. Alors cette trottinette, elle a été offerte à Cody par Hotmer. Hotmer, c'est un site internet que je vous mets là en bas à droite, du coup sur lequel on trouve vraiment de tout ce qu'il faut pour le sport. Donc nous là en particulier on parle de la trottinette, et en fait ce qui est super avec ce site, c'est que vraiment on peut être vraiment très bien conseillé. Ouais, le dessous il est beau. Bon alors là forcément, hein, Cozy s'en est déjà servi, donc ouais. Elle a des petites rayures, normal. Ouais. Mais donc voilà, sur Hotmer, on peut vraiment trouver tous les conseils adaptés. Par exemple, si on veut une trottinette freestyle complète, on tape dessus et on nous demande si le pratiquant mesure entre 1m, 1m40, 1m40, 1m60, plus d'1m60. On explique comment bien choisir sa trottinette, comment choisir la marque. Enfin, le site il est vraiment super adapté. Pour pouvoir. Regardez, quand on roule, elle fait pas de traces, elle fait pas de bruit. Du coup, le site il est super adapté pour pouvoir vraiment être renseigné au mieux pour toutes les tranches d'âge et pour tous les pratiquants. Par exemple, là, si je tape sur 1m et 1m40, voilà, hop, on voit qu'on nous sort plusieurs trottinettes qui vont être adaptées du coup à la taille du pratiquant. Alors, aussi, j'ai une petite question à poser que moi je sais pourquoi. Ouais. Devine comment elle a eu aussi de rayures que ça. Bah parce que tu fais des rails. Et oui. Et donc, aussi parce que des fois, tellement que je saute, je pense que ça doit prendre des touches et tu vas voir ça doit prendre des petits bouts de béton dans la. Ah d'accord. Regarde. Oui, parce qu'on a la chance d'avoir un super skatepark en béton. Ouais. Et elle est super jolie. Et du coup. Et on va aller la tester. Bah oui, bien sûr. C'est ce que j'allais dire. Je l'ai déjà testé, hein, donc j'ai encore l'habitude. Et alors, du moi, coup. Je peux faire beaucoup de petits bouts. Alors là, pour l'instant, en effet, voilà. J'ai que faire 90 et 180, c'est bon. Après, j'ai pu faire. Donc là, ça fait à peu près un mois et demi qu'Ozil a commencé. Donc, en effet, il sait pas faire beaucoup de tricks, on appelle ça. Je vous appelle 90, c'est ça. Ouais. Vous sautez et vous atterrissez les deux pieds comme ça. Ouais. Et puis 180, c'est ça. Vous sautez, vous atterrissez les deux pieds. Bah, de toute façon, on va aller la tester au skatepark. Oui, allez, on va montrer ça en conditions réelles. Ouais. Et attends, parce que Tino et Lenny vont vous présenter leur trottinette aussi. Parce que Tino et Lenny, ils ont reçu leur trottinette aussi. Alors du coup, Tino Lenny vous présente leur trottinette et ensuite. Un tout petit peu plus léger. Ouais, et ensuite on va au skatepark, ok? Oui. Allez, on se retrouve au skatepark. Alors je peux faire un petit trou. Vas-y. Allez, c'est parti. Et voilà maintenant la nouvelle trottinette des garçons. Donc Tino la Prodigy S8 couleur jade. Et Lenny la même mais en couleur holistique. Voilà. Donc du coup, on va pouvoir aller tester tout ça au skatepark.
Et bah maintenant, voilà, ils ont chacun leur trottinette, ils sont contents. Voilà, donc en fait, c'est quasiment les mêmes, c'est juste les couleurs qui changent un peu. Tino, il a des roues un petit peu pailletées. Voilà, couleurs comme ça. Et les nids, ça fait plus style un peu arc-en-ciel avec des roues bleues. Mmh. Elles sont belles, hein. Ouais, ouais. Allez, on se retrouve au skatepark. Ouais, allez. C'est parti. C'est bon, on est arrivé au skatepark. Et puis, bah voilà ma trottinette. Alors, j'ai décidé de l'appeler Erawan. Ouais. C'est un prénom qui est en fait dans le nom de la trottinette. Et puis, on a plein de pros qui nous ont rejoints. C'est mes amis du skatepark. Et puis, c'est que des ados. Ouais, donc toi, tu vas nous montrer un peu ce que tu sais faire. Quoi? Et après, alors, eux, ils vont nous montrer aussi ce qu'ils savent faire. Comme ouais. Ça, on va vraiment voir plusieurs niveaux. J'ai pas appris à le faire, mais je commence à savoir le faire, ça, regardez. Vas-y. Alors, qu'est-ce que tu veux nous montrer, toi, que toi, tu sais faire? Venez voir. Vas-y. Eux, ils nous montrent ce qu'ils savent faire. Ouais. Allez, c'est parti. Un gros merci à Haute-Mère pour ma trottinette, elle est trop géniale. Et aussi, dites-nous dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse des vidéos de trottinette. Et comme ça, on va vous montrer les nouvelles figures qu'on sait faire. Ouais, alors pas en commentaire parce qu'on n'a plus de commentaires, mais sur Insta qui s'affiche juste en dessous. Et t'as raison, encore un énorme merci à Haute-Mère. Dites-nous si vous voulez d'autres vidéos. Si vous voulez des vidéos de conseils de trottinette, les nouvelles figures que les garçons apprendront à faire au fur et à mesure. Et du coup, bah voilà, en attendant, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous ceux qui ont participé au skatepark pour nous montrer leurs prouesses, les beaux tricks, j'allais dire les figures, mais j'ai appris que ça s'appelait des tricks. Donc voilà, allez, gros bisous. Gros bisous.